Et les gens, bienvenue sur frappe.cg.fr ou sur mon blog tissant3.fr. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo, une nouvelle rediffusion de live sur le jeu Call of Duty World War 2 sur PC. Donc je le rappelle, c'est un jeu que j'ai eu via le Humble Bundle Monthly. C'est parti pour un tour, l'usine de la mort, 14 novembre 1944. Après Aix-la-Chapelle, plus rien ne sera pareil. Mais nous avons fini par mettre un pied en Allemagne. Le passage vers le Rhin est ouvert et il n'est pas question de reculer. Pour aucun d'entre nous. Ah, c'est mignon! Ouais, ça fait quand même un gros cadeau, hein. Avoue que t'es caché dedans. Tac, tac. Allez, cette fois-ci, espérons que c'est la bonne. N'empêche, le jeu est cool. Et c'est vrai que ça pourrait être une bonne idée, mais il faudrait que je les ai. C'est le seul que j'ai, Call of Duty. Recommencer mission, commando. Votre mission était de prendre l'hôtel, pas d'évacuer les civils. Bienvenue. Qui a dit que c'était une opération de sabotage? Oui, toi. Pour savoir le temps, mon gars. La dernière nouvelle, c'est Turner qui commande, et pas vous. Vous le laissez prendre. Merci, Lanty Auto, bienvenue parmi nous. Bienvenue dans la bulle. C'est ma faute. Tout est notre faute. À l'heure actuelle, j'ai mieux à faire que de me demander si deux de mes meilleurs éléments sont capables de suivre les ordres. Nous sommes à la veille de l'une des plus grosses opérations de toute la guerre. Je vous rappelle que ceci est le point d'entrée de notre dernière poussée jusqu'au Rhin. Nous allons devoir raser toute une forêt pour que le convoi puisse passer. Donc à partir de maintenant, vous allez devoir vous surpasser. Alors vous arrêtez les conneries tout de suite et vous allez vous préparer. En fait, je trouve le jeu super beau à des moments. Trois semaines. On rase la forêt de Hurtgen pour que le convoi puisse avancer jusqu'au Rhin. J'aurais mis trois semaines à lire ta lettre et j'en suis pas très fier. Si elle te largue, on est là pour toi, mon pote. Au moins, je t'aurais prévenu. Hé, la ferme. Tu le laisses parler. Elle est enceinte. Wow ! Hé ! C'est génial, mon gars ! Incroyable ! Daniel va bientôt être papa. Elle a essayé de me le dire avant, mais je voulais pas l'entendre. Bon, allez. Je dirais pas non à un petit café. Allez, vous autres, laissez-le un peu tranquille. Je veux pas de café, moi. Oh que si ! Je suis désolée d'avoir tardé à te le dire pour le bébé. J'ai essayé le jour de ton départ. Le jour où tu m'as prise en photo. Rassemblement général! Où est Daniels? Davis va parler. Rapplique. J'arrive. Arrête, il y a des gros gros bobos. Je suis à 80 feet, je crois, je sais plus un truc dans le genre. Presque impénétrable. Notre mission, prendre la colline 493. Quiconque la détient, contrôle la vallée. Pour d'autres hommes, la tâche serait insurmontable. Mais notre division se targue d'une noble histoire. Pendant la Grande Guerre, nous avons été les premiers à tenir tête aux Allemands. Les premiers à lancer une contre-offensive. Les premiers à traverser le Rhin. Rien ne nous arrêtait et rien ne nous arrêtera. Lieutenant, quelle est notre devise? Pas de mission trop dure, pas de sacrifice trop grand. Le devoir d'abord. Je ne vous entends pas. Pas de mission trop dure, pas de sacrifice trop grand. Le devoir Parfait. D'abord. Alors maintenant, préparez-vous. On a arrêté de compter. Le devoir d'abord. C'est reparti pour la boucherie. Amen, frérot. On décolle dans 5 minutes. Hey Daniels, tu pourrais me faire une fleur et apporter sa bouffe à Willis. Il garde le périmètre. Pigé. Merci beaucoup. Il est au poste qui surplombe la vallée. J'espère que t'as des chaussettes hors champ. Alors pour ceux qui connaissent Mamie Twink et le reste, ce genre de choses, ça donne très envie de voir le musée de Papy Gardien. Comme ils l'ont appelé. Robert, je sais plus comment il s'appelle. Contentez-vous de me donner tout ce que vous avez. Oui. Et comme je disais, en fait, je trouve que dans les Call of Duty, là, alors je sais pas, mais c'était déjà le cas à l'époque, ils ont une mise en scène qui est très très réussie. C'est très orienté, etc. Mais je trouve que leur jeu, c'est joli, en fait. Leur cinématique, leur façon de présenter, il y a quelque chose qui se passe chaque fois. Bonjour, soldat. Bonjour. Une jolie vue. À
Avec les compliments du chef. Du premier choix, hein? Merci, l'ami. Ça se présente comment? T'as qu'à voir. Ces canons tirent sans relâche. Ça n'arrête pas. Il paraît que vous partez à l'assaut aujourd'hui. C'est ce qui est prévu. Et là, paf! Il y a la Wendigo qui nous saute dessus. Non, c'est pas le bon jeu. Merci. Le calme avant la tempête ou pas? Ok, j'arrive. Rejoignez Turner. Nous devons accomplir notre mission. Alors, on va essayer de terminer le jeu ce soir, comme je vous le disais. Ça serait bien. Et ça, est-ce que de piquer une nouvelle fois niveau fail? Tu as trop joué Until Dawn. Chut, mais fallait pas dire que c'était Until Dawn. La référence, c'était bon. Mais en dire trop, c'est pas bon. Au sommet de cette colline pour prendre la forêt. Première étape, retrouver la deuxième section à la rivière avant de se mettre en route. À quel genre de résistance on va s'attendre? À une résistance forte. Le pont arrête pas de changer de main. On va les aider à le sécuriser. Le voilà! Davis a rassemblé le plus gros convoi de blindés du monde, ma parole! Si ça, ça colle pas la frousse aux boches, rien n'y fera. Encore un bout de chemin jusqu'au Rhin. C'est pour ça qu'on doit les protéger et faire taire ces canons. Surveillez vos arrières. Vous êtes dans l'usine de la mort, ici. Hé, Zeus. Est-ce que le froid réveille ta vieille blessure? Parce que ma mamie, elle s'est pété la hanche. Et chaque hiver... Est-ce que je ressemble à ta mamie? Maintenant que tu le dis... Ouais, embrasse mon cul gelé. Non merci, je préfère celui de mamie. Oh! Charmant tableau. Effectivement. Tout le monde vers moi! Mars! Comment vous tenez le coup? Ces fumiers arrêtent pas de nous attaquer! La prochaine vague pourrait être n'importe quand! D'accord, première section, on leur file un coup de main! En avant! Reprenez le terrain! Établissez un périmètre défensif! Prenez ces mines! Et mettez en place ces mitrailleuses! Barclay, Cooper, allez jusqu'au pont et prévenez-nous si vous voyez du mouvement! On doit renforcer les défenses! Posez ces mines! Chef, je croyais qu'on devait neutraliser l'artillerie sur la colline 493. On peut pas laisser nos lignes exposées. On rejoindra le point de rassemblement quand on aura sécurisé le pont. Tu vois, c'est pas faire. Je dis que ça va pas être facile. Un boulot n'est jamais facile, soldat. Vous voyez ces dents de dragon? Les blindés pourront jamais passer. Ouais, je crois que c'est l'idée. Les boches sortent de la brume! Poète, poète! Attendez, j'ai pas fini! Je vais pleuvoir les mines! Je sais toujours pas viser, pardon! Ah, mais quand ils arrivent, ils sont vachement nombreux en fait! Non, mais pas toi! Vous connaissez l'histoire du mec qui savait pas viser? Mais tout ce monde! Ils arrivent! Ils capitulent pas! Repliez-vous! Sur la tête de pont ouest! On décroche! Il est mort! Accroche-toi, l'ami! Faut que je le mette où, lui? Par là-bas, apparemment. Accroche-toi, l'ami! Il y a un deuxième qui est KO ou il est mort? You, y'a quelqu'un? Non, je vois personne. Non! Mais c'est un allié! Espèce de quiche! C'est personne. Je tire sur mes alliés, quoi, mais je ferai un très mauvais militaire. Bon, déjà, il fallait pas se poser la question parce que je suis très mauvais de base. Salut, Adrox! Cherchez des mines, des grenades, tout ce que vous pouvez.
C'est pas une bonne idée de faire ça. Merci pour l'abonnement à Drox. Toi, oui, toi qui viens. Non, mais les missions peuvent beaucoup se ressembler, je pense, par rapport aux différents Call of. Salut, Rémi, ça roule là-dedans? Oui, je suis toujours aussi mauvais, mais ça roule. Pour l'instant, je suis pas encore, hein, mais ça ne saurait tarder. Salut, Master Ryu, par la même occasion. Ce spoiler, t'as vu ça un peu? C'est une horreur. Hein. Une mine. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, Drox, encore une fois. Désolé, parce que c'est intense, donc j'ai du mal à... Vers la loose et au-delà. Je cherche trop à essayer d'accomplir l'objectif sans sécuriser la zone, mais j'ai l'impression que je peux pas sécuriser la zone. Et en plus, comme je sais pas viser... Cherchez des mines, des grenades, tout ce que vous pouvez trouver. Affirmatif. Moi je vais bien être le chat, mais j'ai l'impression que ça n'arrive pas à grand chose là. Ils ont déjà eu le lanceur. Cherchez des armes anti-char, vite, extra Daniel. Tu finiras par l'avoir à l'usure. Comment je fais pour récupérer des munitions? Mais elle est où mon arme précédente? Bon boulot, Daniel! Il est presque à chaise! Les yeux et les oreilles! Il prend le terrain de combat! Mais j'ai ma mission maintenant. Est-ce que le mec j'ai sauvé ou pas? Il se replie? Oui, mais j'ai pas mon arme. Mon arme elle est où? Au secours, je suis perdu sur mon arme. Daniels, ramène-toi. Bon travail, Daniels. Première section, ralliement vers moi. On arrive. Mais je veux bien, mais moi ce que je veux c'est mon arme. J'ai une trousse de secours. Tout le monde vers moi. Attendez, j'arrive. J'ai besoin d'aide. Je m'en occupe. Tiens, j'aurais besoin d'une petite arme, ça vous dérange pas? Non, pas celle-ci. Bonjour les gars. Et c'est là que je mets le pied sur une mine. Une mine. Non, c'est bon. Je t'ai cassé, toi. Hein. Vous auriez pas des munitions, s'il vous plaît, ou des armes qui m'intéressent? Des trucs cool. Ah. Mais c'est un fusil à pompe, ça. Ah, je préfère ça. Je crois que je préfère ça. Ça me plaît plus. Qu'est-ce que je fais, moi? J'ai pas ce bon bouton. Je suis quand même un lance-roquette. C'est pas si mal, un lance-roquette. Salut. Bonjour. Coucou Nemesis, ça va toujours? Personne vous ferait route vers la colline au nord. Je suivrai la rivière avec une escouade pour vous couvrir. Rassemblement au pied de la colline 493. Alors voyons. Hey, tu fais gaffe à toi. Ouais, hein. Toi aussi. C'est celui-ci, des mystificateurs, je sais plus. Je sais plus. Prends des munitions, Daniel. J'espère qu'on va pas regretter de s'être séparés. Si les Boches traversent la rivière, ils risquent de faire échouer la mission. Voilà pourquoi on doit couvrir le flanc de Pirsac. On est encore loin du point de rassemblement, chef. On atteindra... Je sais plus si cette arme-là ou c'était une autre, effectivement. Mais je préfère les armes au coup par coup. Prendre le temps d'essayer de viser la tête et de mourir entre-temps. Baissez-vous, ça va pas être simple de les neutraliser.
prenons les revers. Mais attention à pas vous faire repérer. On sait déjà que c'est foutu, non? Daniel, baisse-toi. C'est mieux. On connaît ma capacité à faire des missions d'infiltration dans ce jeu. Hein. Non, tire-toi. Tic-tac, tic-tac. On avait dit discrétion, j'ai été assez discret là. Il est où Crysis? À une époque pas si lointaine, on pouvait faire des choses un peu plus intéressantes comme péter des arbres. En folie dans les sur les MW. Non. Quoi comme jeu après celui-ci? Bah je sais pas. On verra. Il y aura sûrement une Deus Ex. Si je termine celui-ci trop tôt, bah, il y aura Deus Ex, mais à mon avis, on ne terminera pas assez tôt. On couille ton niveau sur tous les jeux, Iti. Mais comment ça? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Toc, 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 toc. Coucou Alexis. Désolé, hein, encore une fois, si j'ai des questions ou autre. C'est bon, on a pu avancer. J'ai été assez doué. Je suis pas trop mort. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Balance-les. Ça devrait suffire. J'en avais déjà trop, donc ça ne servait à rien ce que je viens de faire. Donc là, on a éliminé. Là, on a éliminé. Il y a toute mon équipe qui est devant là-bas. C'est classe quand même, c'est joli. Ah merde! Merde, c'est un piège! On s'est fait repérer! Venez! Waouh! Waouh, waouh, waouh! Pardon pour ta jambe. Non! Iti qui roule Namas Pamus. Alors qui c'est qui est mort? T'es qui toi? Il est pas droit.
Je te connais mieux que personne, donc je sais que tu peux encore te battre. Tu peux pas abandonner. Ni maintenant, ni jamais. Paul ? Les Boches peuvent surgir n'importe quand. Alors relève-toi et montre-moi ce dont t'es capable. J'ai trop peur. J'y arrive pas. Tu le dois, Red. Hazel et ton petit ont besoin de toi. Relève-toi. Mais c'est justement parce que personne n'a entendu parler que justement vous êtes discret, en fait. Pas du genre à baisser les bras. Tu vois ? Moi, je crois en toi, petit frère. Paul. Le doute de son existence. Paul. Non mais BG, c'est parce que justement personne ne t'a repéré quand t'étais discret, qu'on ne sait pas que ça existe. Briggs. Mon Dieu. Ah, il s'est pris il s'est pris des morceaux de bois, le pauvre. T'étais qui, Briggs ? Le problème, c'est que je me souviens plus de qui est qui, c'est dommage. C'est ça, tu vois. Je suis jamais discret. Je dois trouver le point de ralliement. Mais j'ai la discrétion. C'est moi ! I am Sauron. On te voit de très très loin. Tu brilles. Et même quand on te voit pas, il suffit de mettre un anneau et paf ! Tu nous éclates à la figure. Pof, 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 pof. Bah alors, les gars. Wow. Seigneur. T'es qui, toi? On peut le décrocher. Wouh. Faut mettre une musique derrière ça avec un rythme. Genre... Toc. Bon, ça marche pas très bien, mais bon. C'est un métronome. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un métronome, vous chercherez sur internet. C'est un truc qui sert à mettre le truc de la musique. Le rythme. Le tempo. Quelques missions. Oui, mais en fait, je me souviens que de deux ou trois types. Je me souviens de celui qui a pris le coup de couteau. Je me souviens de celui qui a les lunettes. Et en fait, c'est tout. Les autres, je les ai oubliés. Donc, Zussman et celui qui a les lunettes. Enfin, Zussman, ils l'appellent, eux. Zussman. Zuss. Oh, merde ! Non, mais je viens de tirer. Tout le monde sait où je suis. Je l'ai tiré dans la patte. Il a souffert. Avant de mourir. Oh, bonjour. Bravo, vous avez trouvé 10%. 3,33. Mais non! Ah, je me suis trompé de bouton. Je voulais pas courir, moi, je voulais me... Lui, c'est pas mon pote. Ouah, ouah, ouah. C'était pas prévu comme ça, on voyait rien. On voyait rien. Pour ma défense, il y avait rien. Au RPG7. Vers la loose. Salut Grand Givray, comment vas-tu? Mais on parle pas de Pokémon. Après, je vais craquer. Il faut pas que je craque. Parce que si je craque, je vais me prendre Planet Zoo, Pokémon, etc., etc. Quand on est nul, on est nul. Con caduc ou con débutant. Petit con de la dernière averse. Vieux con des neiges d'antan.
Bobo. À nouveau. Ça roule, ça va. Again and again. Mais où est-ce qu'ils m'ont vu? Peut-être que j'ai trop regardé le chat. Peut-être qu'il faudrait que je fasse plus attention. Peut-être que... Attendez. Chut. Bah attends, mais c'est même pas moi qui leur tire dessus. Un petit trou. Mais ça pique. Trop de brouillard, j'arrive pas à savoir où est-ce qu'ils sont. Là, il y en a un. Vous pouvez pas mourir, s'il vous plaît. Il me reste 7 balles. Ils sont trop solides. Yeah, BG. Merci. Wow. Il y a trop de brouillard. Je crois que je l'aime pas, celle-ci. Non, il est là-haut. J'avais déjà pas beaucoup de munitions, hein. Bonjour, monsieur. Ça, je le veux. Voilà, ça, j'aime bien. Enfin, j'aime bien ce type d'arme, mais je suis pas sûr que ce soit celle qui m'aille. Il n'y a que Mai qui m'aille. Amora. Alors. Ça va, monsieur? Le point de rassemblement est pas loin. Et nos gars auront besoin d'aide. Bien compris. Au fait, on a perdu Briggs. Il a essayé de se transformer en Groot, mais ça m'a pas trop réussi. Faut dire que l'expérience est plutôt ratée, même. Je suis un peu des deux, parce qu'en fait je joue en commando. Donc il y a facile, normal, difficile et très difficile, et je joue en difficile. Parce qu'après c'est vétéran. Donc déjà il y a une différence, il me semble que dans le... Si j'ai bien compris, quand on joue la difficulté inférieure, en fait c'est le même système que les anciens Call of Duty, avec le truc qui devient tout rouge, et après tu te sens mieux. Pardon. Ça voulait pas respirer correctement. D'ouvrage de défense. Les Boches ont dû l'abandonner. Vous pensez qu'ils vont revenir? Pas de sitôt, j'espère. T'es qui? Il a pas de plaque. Monsieur, il a pas de plaque. J'ai envie de visiter par là. Je peux? Je vais voir s'il y a de quoi se ravitailler. On n'y voit pas grand-chose là-dedans. Intéressant, ma foi. Et de la santé ici. Voilà. Il y a pas les centaines de munitions aussi, zut. Quoi, des gars à nous dehors? Non, monsieur. J'espère qu'ils ont pu atteindre le point de rassemblement. Écoute. De l'eau.
La rivière doit être tout près. J'espère qu'ils ont pu se mettre à l'abri de l'artillerie. On sera là pour les soutenir, t'en fais pas. Voilà la rivière. Il n'y a plus qu'à la suivre pour rejoindre le point de ralliement. Et réduire au silence ces canons. Ah, il y a un souci de tapage. Trouvez le point de ravitaillement. Mise à jour de l'objectif. On s'en remonte pas. Je trouve que le jeu est intense quand même. Tireur isolé. Il est là-haut dans ce bunker. On doit le déloger. Lance-toi. Suis-moi. Baisse-toi. Tout va bien. Belle mise en situation. C'est un des nôtres. Vérifie les flancs. Essaie de voir si on peut l'atteindre. Ouais. Non, vous avez rien vu, il s'est rien passé. Rien. Si. C'est un des nôtres. Vérifie les flancs. Essaie de voir si on peut l'atteindre. Par là. Je vais attirer son attention. Débusque-le. Accroche-toi, l'ami. T'es en sécurité. On aura ce tireur isolé. Tu m'as sauvé la vie. Je t'en voudrais ça. C'est cheese. Pardon. T'as récupéré de la vie quand même avant d'entrer. C'est un coup à mourir, ça aussi. Les munitions t'attendent, soldat. Tadé. Il est pas seul. Non. Jamais. Ouais, putain. Mais attends, je suis en train de vérifier un truc. Mais je viens de récupérer de la vie. Chef, des munitions. Tiens, Daniel. En conclusion, n'ouvrez pas une porte, vous pouvez y avoir des gardes derrière. Si vous n'êtes pas sûr de pouvoir les abattre derrière. Justement, oula. J'aime bien cette arme. J'aime bien cette arme. Ou pardon. Enfin, je suis pas désolé, mais est-ce qu'on peut? J'ai envie de voir si je peux lancer assez loin. Oups. Il est pas seul. Je sais, chef. Les voilà, soldats. On est d'accord, vous n'avez rien vu, hein. Tout ce qui vient de se passer est dans votre tête. C'est les Grizzly Rabbit. Comment ça? On va clipper ça, vous clipez ce que vous voulez. Eh bien, je voulais essayer de viser là-haut, moi. Enfin, je pense que vous avez compris mes intentions, quand même. Ça s'est pas passé comme prévu. J'ai cru que voilà, ça pourrait passer. En fait, ben, c'est passé. Et pas pour le bon personnage. J'étais pas très loin, quand même, du trou.
cul. Comme j'ai changé mes touches, je sais plus ce qu'il fallait que je fasse. Oui, je sais, ça fait un jour que j'ai changé mes touches, et pourtant je me trompe toujours. Oups. Oupsie. Daniel, on bouge, suis-moi. Ah mais c'était le fameux sniper. Mais oui, tire, réveille-toi. Alors nous on est arrivé de là-bas, c'est ça? On est arrivé par là, il nous a vu, il a tiré. Après on a fait comme ceci, c'est là où il a tiré sur les machins là. On est passé là-dessous, puis là, puis là. Puis on atterrit. Non, là. Descendu ici. Là, on a sauvé le monsieur qui était là avec la grenade fumigène. J'aime qu'un plan se déroule presque sans accroc. Faut que je redescende? Trouver le point de ravitaillement. Aucun dessin. Non, mais si, mais ça monte en fait. Je me rendais pas compte que ça montait à ce moment-là. En avant! Le point de rassemblement est pas loin. J'espère que nos gars l'ont rejoint sans peine. Il est toujours mort le monsieur en dessous? Tu m'as sauvé la vie! Je t'en voudrais ça! Ah, oh, c'est cool. Lui, il est là, ok. On a sauvé deux personnes pour l'instant dans la mission. On n'est pas si mauvais, hein. À la grenade, à fragmentation. Ouais. Toujours une histoire de touche, hein, c'est ce que j'ai expliqué hier, justement. Je disais, j'ai joué à Mafia 3 où la touche pour ouvrir les voitures, c'était F. Et la touche pour jouer lancer les grenades, c'était F. C'était pas F, hein, on s'en fout. Mais c'était un peu genre dans ce genre-là. J'aime bien, il marque, vous êtes blessé. Blessé. Ouais, plum. Je prends cher, non? Vous avez pas l'impression que je prends un peu cher? Why? Strumo Koku. I don't know what it means. Ah mais non, mais non, mais non, mais E.T. apprends à jouer un petit peu. Un petit peu. Enfin, des fois... Pardon, attention, vers la luminité. Au-delà. Attends. Bien compris. Attendez, j'ai tenté un truc. Bienvenue à toi, oui, toi qui viens de t'abonner. Voilà. Non mais attends, je vais mourir encore. Bien compris. Est-ce que si je fais ça, est-ce que je peux passer par en dessous? Mais oui, je peux. Oh, c'est extraordinaire, ma foi. On doit s'emparer de...
On peut le faire. Comment ça, Yankee? Il mit toutes ses balles à côté, ce fut la catastrophe. J'ai trouvé une solution alternative qui était plutôt pratique, je trouve. C'est bon, je l'ai eu. Ça se passe bien. Coucou Marigori, comment ça va? Une balle à droite, une balle à gauche. On s'est fait avoir. J'ai mal joué. Encore une fois. Toujours pas mort, toi? Ça sent pas bon, cette histoire. Hein. Mais... Ah, oh, sérieux. Bien gentil, mais j'aurais plus besoin de vie, s'il te plaît. Tu les entasses et c'est numéro 1. Je sens pas trop cette histoire. C'est un jeu de chevet de quoi? J'ai quand même le temps d'en prendre une. C'est cool côté les munitions, tu peux m'en ramener s'il te plaît? Ah, mets-toi au-dessus. Allez, je pars du principe que c'est dégagé au-dessus. Non mais sérieux? T'es à côté, tu l'as même pas buté? Il me faut des munitions, chef! Peut-être qu'il est arrivé par l'autre côté aussi. Apprends à viser. Aviser pour deux. J'ai plus de ce truc de soin. Ça monte pas par ici. Vous voudrez de la vie, s'il vous plaît. Je sens pas. Bon, ça, c'est un des nôtres. Un des nôtres. J'ai toujours peur d'éliminer un mec qu'il faudrait pas que j'élimine. J'ai une trousse de secours, par contre. Si vous voulez HFBG, vous pouvez lui acheter Wolfenstein 2. Je suis sûr qu'il sera heureux de vous le faire en live. Comment faire du troll? Level 2. Viens pas là.
C'est vrai, je suis bon. L'escouade se replie vers le pont. Le moulin nous servira de base. Et quand personne nous aura rejoint, on se dirigera vers le point de rassemblement. J'arrive, chef. Oh non, encore un pont. Non, encore un pont. Mais moi, c'est de la vie que je veux. Give me some life. Life. Oh, life. Oh, life. Heureux de faire Breath of the Wild en live. C'est vrai? C'est vrai? Donc ça veut dire que dès que t'iras mieux, vas-y, on le fera en même temps. Je découvre, tu découvres, ils découvriront, nous découvrez, et etc. Vas-y, on arrête tout ici, on fait du Breath of the Wild. C'est lequel qui est mort? C'est un lambda ou c'est un collègue? Oh, la balle, elle met du temps à arriver. Pas sûr de l'avoir tué. Ah, y'a du vent. Les musiques sont jolies aussi. Mais ils sont combien là-dedans? J'ai bien compris, mais justement... Maintenant, ça a été dit. Dessus, c'est horrible. Il y en a un qui lance roquette, ça pique. Le mec était là-haut, il est mort ou pas? Bah, je suis bigleux, vous pouvez m'aider? Pourquoi je sors à côté? Pourquoi je sors à côté? Oui, je essaie de me concentrer sur le jeu pour pas faire de bêtises, mais j'en fais quand même. Chut. T'es nul, Iti.
Pardon, Camille. T'aurais pu être utile. On y va. Neutraliser qui? Quoi dans où? Ouais, bon, plus de la vache, de raté. C'est bon. Fuyez, pauvre fou! Je suis le maître du jeu! Des grenades et des fumigènes, Daniel! On sera au point de rassemblement. Voilà, soldat! Merci. J'aime les munitions. Les munitions sont mes amis, il faut les aimer aussi. Jusqu'au retour de Pearson et on prendra la colline ensemble. Sauf s'il a contourné le moulin et qu'il y a un seul. Il a pas assez de soldats. Ça ne l'a jamais arrêté. J'ai dit qu'on attendrait. Et c'est ce qu'on va faire. Sans votre respect, chef. Et si Stiles avait raison et que personne n'était devant? C'est à moi de m'en soucier, Daniels. Mes tripes me disent que quelque chose cloche. Si je basais mes décisions sur tes tripes, soldat, on serait encore sur la barge en Normandie. Exactement. Allez, celui Calinette, il est là. Tu sais que la section de Pearson a été anéantie à Catherine? On dirait que l'histoire se répète. J'espère pas. Je veux savoir ce qui s'est réellement passé. Bah, j'ai pas les couilles de demander à Turner. Mais j'en connais un qui les a. Notre mission consiste à éliminer l'artillerie allemande ensemble. Mais si personne voit une opportunité, il la saisira, au détriment... Mais j'essaie de leur envoyer de l'amitié. La tension monte de plus en plus entre Turner et Pearson. Et ça n'ira pas en s'arrangeant. Alors, j'ai sauvé deux personnes sur trois. C'est-à-dire qu'il y a une personne que j'ai laissé crever la bouche ouverte. Mais c'est horrible. Bon, allez, il est temps de couper la rediffusion. Pourquoi il n'y a pas de bouton là-dessus? Ah, parce que je passe sur le bon onglet. Bah. Survie éternue, mais ça veut pas venir. Du coup, j'espère que cette vidéo, cette rediffusion vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des camarades filmeurs sur frappstejeux.fr. Passez une agréable fin de journée. Prenez soin de vous encore une fois. Et à ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. Si, parce qu'on le vaut bien. Donc on continue. Je vous dis, on va essayer de terminer le jeu ce soir, hein, quand même. Si. On va essayer. À tout de suite. Pum 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 p